En quelques mots déjà, en résumé, quels sont les mots qui vous viennent tout de suite à l'idée pour parler de ce cheval? Comment vous le décriviez? Un cheval avec beaucoup de vitesse et de la résistance, un vrai professionnel, un cheval vraiment sympathique, qui donne toujours le meilleur de lui-même, très, très dur, et qui, je ne crois pas qu'il ait fait une mauvaise course dans sa vie. Alors vous l'avez très très bien connu, comment déjà a débuté votre histoire avec lui? Ben nous l'avons acquis à la vente de l'Arc de Triomphe, à la fin de son année de 3 ans, et nous avons gagné peu après le prix Perte à Saint-Cloud. Et puis ensuite, nous avons couru à 4 ans avec lui le Prix d'Ispahan, qui est peut-être sa meilleure course. Il a fini tout près de Goldikova et de Cyrus des Aigles. Ça, c'est une course extraordinaire. Il avait attendu, il était venu finir. Ensuite, nous avons couru en Angleterre, nous avons gagné des groupes 2. Enfin, c'est un cheval qui est le prix du Muguet. Un cheval polyvalent, vraiment un bon cheval. Ouais. Donc il a montré beaucoup de courage et de robustesse en course. Comment il était le matin à l'entraînement? C'est un fils de Linamix, on sait que ce sont des chevaux assez bouillants. Comment il était à l'entraînement? Un cheval très facile, qui comprenait très vite ce qu'on lui demandait et qui était vraiment un plaisir à entraîner. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'acheter ce cheval qui avait gagné en tant que leader? Il avait quand même gagné le prix de Fontainebleau au début de son année de 3 ans. Et puis c'était un fils de Linamix, un cheval qui était beau. On a trouvé avec Gérard Larieux qu'il valait le coup d'être essayé. Et c'était un cheval de 1600 mètres, c'était vraiment son truc. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut transmettre à ses produits, ce cheval? Il va leur transmettre sa vitesse, bien entendu, parce que je pense que c'est peut-être le meilleur fils de Linamix en course. Et un cheval qui, comme Linamix, que je connais bien puisque je l'ai monté, avait de la vitesse. Et il va leur transmettre donc cette chose-là, plus sa robustesse. C'est un cheval très sain. Qui à la fin de sa carrière, à mon avis, s'est un peu allongé, qui aurait gagné sûrement 2000 mètres.